Abba, papa, montez ma nonna. Et tandis, ami, na posa na yoé. Abba, papa, mon limonanga. Et so ganga, koluka yoé, koluka yoé. Nana koti kateo, kotambole na yo. Abba, papa, montez ma nonna. Et tandis, ami, na posa na yoé. Abba, papa, mon limonanga. Et so ganga, koluka yoé, koluka yoé. Nana koti kateo, kotambole na yo. Abba, papa, montez ma nonna. Et tandis, ami, na posa na yoé. Abba, papa, mon limonanga. Et so ganga, koluka yoé, koluka yoé. Nana koti kateo, kotambo. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Si vous nous écoutez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Soyez les bienvenus encore une fois de plus sur la plateforme de Hosanna Magazine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Gloire à Jésus. Partagez, bien-aimé. Gloire à Jésus. C'est notre temps de prière, c'est les instants de la prière. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, bien-aimé, tu es en train de dire amen. Salut, maman. Maman, merci, maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, que Dieu te bénisse. Partagez, partagez. Bonjour, maman Gisèle, c'est Waki Banza, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon, amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous allons prier avant de commencer toute chose. Aujourd'hui, j'aimerais simplement prier, faire une prière d'ouverture, et puis nous allons entrer dans la profondeur de ce que l'Éternel a déversé en nous ce soir. Tendre Père, nous te disons merci pour tes enfants, nous te disons merci pour nous-mêmes, pour notre vie, pour tout ce que tu ne cesses de faire à notre égard. Que la gloire te revienne à toi seul, papa. Prends le contrôle de ces instants. Nous sommes venus pas pour chercher ou voir une personne, mais nous sommes venus, papa, pour te rencontrer, toi. Nous sommes venus, ô Éternel, pour te voir, toi et toi seul. Alors pourquoi nous sommes en train de prier maintenant, papa? Que tu prennes le contrôle, que tu exauces, Seigneur, notre prière, que tu écoutes, ô Dieu, ce que tes enfants sont venus chercher. Alors pourquoi nous sommes en train de dire à toi seul la gloire, la louange, la magnificence pour des siècles, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Maman Florentine, que Dieu te bénisse. Oui, vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse. D'abord, nous commençons à nous excuser d'abord par rapport à ce retard que nous avons connu. Et puis, parce que il y a eu au moins deux jours passés,
que nous n'avons pas pu nous connecter indépendamment de notre volonté, bien-aimée. Mais que cela ne tienne, j'espère que chacun de nous avait pris le temps de prier à la maison. Chacun de nous a pris le temps de prier à la maison parce que c'est important. Souviens-toi de ce que nous avons toujours dit. Si nous sommes là, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes là, ce n'est pas simplement pour nous. Ce n'est pas pour que vous nous regardez. Même si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là, Dieu nous rappelait où cette histoire ne permettait plus, il faudrait que tu continues à prier. C'est ça même le rôle de Abba Papa Moment. Les instants de la prière. C'est-à-dire que nous prions simplement ensemble. Une personne qui peut être découragée, une personne qui ne peut pas prier seule. Ensemble, ici, nous prenons le temps de prier. Voilà la raison même que Dieu nous avait poussé. Oui, c'est cette raison même que nous voulons encore rappeler encore ce soir qu'il y a de la puissance dans la prière. Voilà pourquoi j'invite une personne de prier ensemble avec nous. La parole de Dieu est en train de nous dire, priez sans cesse. Plusieurs fois dans sa parole, il est en train d'insister que nous prions sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est à travers la prière qu'il y a la solution à nos problèmes. Amen. Alors avant que nous puissions entrer dans la profondeur, je voudrais simplement dire à une personne qui est en train de nous suivre maintenant. Si nous n'avons pas pu continuer avec notre sujet, c'est parce que c'est un sujet tellement important. Alors nous renvoyons cela, nous repoussons cela la semaine prochaine. L'amour inconditionnel, nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas laissé cela comme ça simplement. Non, nous allons continuer de parler de cela. Notre sœur Margot Martel, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la famille, que la grâce de Dieu te localise. Oui, que tout ce monde qui sont fidèles à leur poste, que Dieu vous fasse du bien. Oui, je prie simplement que vous ne puissiez pas venir passer votre temps en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons continuer le sujet sur l'amour inconditionnel la semaine prochaine, à partir du lundi, ce qui est sûr, et terminer cela le jeudi. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait une parenthèse, juste pour rappeler les gens que même si nous ne sommes pas là, bien-aimés, toi, là où tu es dans ta maison, tu dois prendre l'habitude de prier. Amen. Tu dois avoir ce système-là de prier. N'attends pas simplement que Abba Papa soit live afin que tu pries. Quand nous donnons rendez-vous à l'Éternel d'être là à 20h, il faut être là à 20h et puis tu prends le temps de prier. Voilà. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont live. Et j'ai dit même shalom en avance à ceux-là qui viendront nous suivre après ces lives. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un et qu'il puisse lui donner encore la force de demeurer dans la vie des prières. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais partager un verset principal avec tout un chacun de nous. Dans le livre de Actes, Actes 12, le verset 5, la parole de Dieu dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'importance même de la prière. C'est quoi la prière, bien-aimé? Là où tu es, est-ce que tu connais qu'est-ce que signifie la prière? La prière, c'est parler à l'Éternel. Amen. C'est adresser ce qu'il y a au fin fond de ton cœur à l'Éternel. Voilà pourquoi, quand on est en train de prier, les pasteurs, les serviteurs de Dieu encouragent tout un chacun de nous à être vraiment sincère dans sa prière. Et la Bible nous dit ceci, l'Éternel cherche des vrais adorateurs. C'est là qu'ils adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, ça signifie ceci, quand tu es en train de prier, ce n'est pas la bouche qui doit parler pour impressionner une personne. Mais c'est le cœur qui doit parler pour impressionner Dieu. Voilà même pourquoi dans sa parole, il est écrit, Christ est en train de dire, ne multipliez pas de vaines paroles. Amen. Quand vous êtes en train de prier. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train, qui cherchent à prier pour impressionner les gens. Qui cherchent à prier pour se faire voir. Effectivement. On voit que moi, je prie, moi je fais ceci. Même des jeunes là, tu vas voir une personne qui est en train de faire 21 jours de jeûne. Mais ce jeûne-là n'était même pas exaucé à Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas dedans. Avant ce moment. Amen. Donc, nous devons prier avec notre cœur. Amen. Et la prière a deux volets. Mm. J'aimerais dire à une personne ceci. Amen. Tu peux prier pour toi-même.
et tu peux prier pour une autre personne. Amen. C'est comme ça que les versets que nous venons de lire, mm. Pierre était en prison, mm-hmm. mais il y avait des gens qui intercédaient pour lui. Mm-hmm. Et l'intercession, les prières que ces gens-là faisaient, mm-hmm. tellement que ça venait du fin fond de leur cœur, Amen. Il y a eu une grande puissance qui s'est dégagée de ces prières. Yes. Une puissance qui a brisé les chaînes qui étaient sur Pierre. Une puissance qui a ouvert même les portes de la prison. Et Pierre était sorti. Amen. Amen. La puissance de la prière. Amen. Bien-aimé, quand tu ne comprends pas la puissance qui est cachée dans la prière, tu vas prier des années, tu ne vas jamais changer. Mm. Tu vas désirer quelque chose, ça ne viendra jamais. Mm. Parce que tu n'es pas encore arrivé là où l'Éternel veut que tu arrives dans ta prière. Amen, amen, amen. 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 J'aimerais encourager une personne ce soir. Quand tu vas aller prier, rassure-toi d'abord que tu t'es purifié, tu t'es sanctifié, que tu es prêt, tu n'as pas de tâches, des zones d'ombre qui va t'empêcher d'approcher le trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu, ce n'est pas n'importe qui l'approche. Et quand tu es en train de faire des prières maintenant, étant tout en étant purifié, c'est là que l'Éternel reçoit ta prière. Mmh. Et il exauce cela. Amen. Amen. La Bible dit, dans les livres des Colossiens 4, le verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La Bible insiste, persévère dans la prière, parce qu'il y a quelque chose de grand qui est caché derrière la prière, parce qu'il y a quelque chose de puissant derrière la prière. Bien-aimés, n'est-ce pas qu'on est en train de prier, on chasse des démons et ces démons-là fuient. Amen. C'est dans la prière qu'on invoque le nom de Jésus. Et la Bible nous dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Ça signifie que quand tu es en train de prier, au nom de Jésus-Christ, la puissance qui est dans ces noms-là, ça fait chasser tout démon, ça fait fléchir tout esprit, ça rend tout ce qui est tout autour de toi captif à l'obéissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prier n'est pas simplement multiplier des vaines paroles. Dieu n'a pas besoin de ces paroles-là, qui sont là seulement, qui se répètent, qui sont vaines, qui ne sont pas importantes. Des paroles-là qui sont de la bouche et non pas du cœur. Ce n'est pas ce que Dieu cherche. On ne peut pas impressionner Dieu, bien-aimé. Amen. La parole de Dieu a dit avant que tu ouvres ta bouche pour prier, lui connaît ce qui est dans de toi. Mais il attend simplement que nous exprimons cela pour montrer que nous dépendons de lui. Oui. Pour montrer simplement que notre vie dépend de lui. Lui, il est notre maître. Sans lui, nous sommes rien. Alors, quand nous venons devant lui, ne cherchons pas à impressionner Dieu. Amen. Ne cherche pas à impressionner ton voisin. Parce que toi, tu cherches Dieu, bien-aimé. Mm. Pendant la journée, on était en train de méditer avec maman. J'ai mis cette chanson qu'on était en train d'écouter. Le Dieu de mes genoux. Nzambaba genou nangai. C'est dans le genou, ça m'a encore rappelé, bien-aimé. C'est dans le genou que nous donnons la solution à nos problèmes. La prière est en train de déclencher certaines situations. Mmh. Maman a dit, en prison, les gens étaient en prison. Pierre est en prison. Les disciples, les autres, l'église est en train de prier en sa faveur envers Dieu pour que Dieu exauce la prière. Mmh. Et soudainement, il y a eu l'ange qui est apparu. Donc la prière a eu de la puissance et a changé la situation. Et j'aimerais poser la question à une personne. Qu'est-ce qui te dérange? Mm. Quel est le problème que tu as auquel tu ne trouves pas la solution? Les médecins n'ont que les instruments que Dieu utilise. Mm. Le pasteur n'ont que les instruments que Dieu utilise. Mais tout ça, la solution vient d'une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et comment nous communiquons avec lui? J'ai aimé la maman quand au début, elle a expliqué comment, bien-aimé. Et disons, c'est quoi la prière? Parce qu'il y a des fois, nous oublions. Mm. Tu parles avec ton Père Céleste. Mm-hmm. Tu lui dis tes problèmes que tu as. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'enlève le sommeil la nuit? Mm. Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de parler sur des gens, ils ne vont pas donner la solution à ton problème. Mm. Qui t'ont bloqué? Parce qu'on parle de la puissance de la prière. Mm. Tout ce qui pourrait être bloqué, mais par la prière, sache le bien-aimé, que ça sera débloqué. Amen. Parce qu'il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont crié. Mm. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. En mon nom, ils guériront le malade. Amen. Ils imposeront le main au malade
et les malades seront guéris. C'est ça la puissance de la prière. C'est pour changer ta situation. C'est pour déclencher ce qui était, ce que tu ne pouvais pas imaginer. Les chaînes vont tomber, brisées. Par la prière. Par la prière. Tes enfants vont changer leur vie par la prière. Amen. Amen. Je vais donner un témoignage pour édifier. Bien-aimé, je me souviens encore, j'étais trop jeune. Et ce jour-là, je dormais. Je commençais à sentir comme si je partais, je mourais. J'ai vu deux personnes qui sont entrées dans notre maison. Alléluia. Et une personne me dit, je vais prendre ta vie aujourd'hui. Quand il a dit ça, il a directement posé sa main sur ma poitrine. Et pendant qu'il le faisait, j'ai dit, si c'est toi qui m'as donné la vie, tu peux la reprendre. Mais si ce n'est pas toi, tu ne vas pas la reprendre. Amen. Amen. Et quand il a posé cette main-là, j'ai senti comme si j'étais en train de tomber. C'est comme si mon souffle partait. J'ai commencé à crier. J'ai crié, papa, j'étais au salon. Mon père était dans la chambre et ma mère, tout le monde presque dormait. J'étais juste avec ma petite soeur au salon. J'ai commencé à crier, papa, maman, papa. Il n'y a personne qui écoutait ma voix. Tellement que j'étais au bout de mon souffle. Ces jours-là, j'ai failli mourir. J'ai crié une seule fois. Jésus sauve-moi. Et tout le monde a entendu ma voix. Amen. Ils ont entendu qu'Esther a crié Jésus sauve-moi. Le même problème qui est au salon. Amen. C'est ça la puissance même du nom de Jésus. Yes. Qui accompagne notre prière. C'est ça même la puissance de la prière. Yes. Et quand j'ai crié, c'est tout le monde qui a couru. Yes. Tout le monde est venu. Esther, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai expliqué ce que j'avais vu. Et j'ai commencé à prier. Bien aimé. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu pries au nom de Jésus, il y a la puissance qui est dans ces noms-là. Accompagne ta prière et directement tu as la solution. Directement tu es sauvé. Directement les chaînes sont en train de tomber. Directement Jésus est en train de voir quelqu'un qui était malade. Il reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. Directement les situations commencent à changer. Et directement tu es en train de voir. Yes, yes, hey! Par la prière! Yes! Par la prière! La solution à tes problèmes est trouvée. Bien aimé, c'est par la prière. Hey! Même Jésus qui était Dieu, qui est Dieu, le Fils de Dieu vivant, il s'est retiré plusieurs fois, la Bible nous dit, pour aller se ressourcer. Amen. Il se ressourcer dans la prière. Amen. Il partait se mettre à l'abri. Pour prier, pour chercher la, la face de Dieu. Alléluia. Même quelqu'un qui est dans le ministère, même quelqu'un qui est au début de son ministère, même quelqu'un qui était à l'intérieur de son ministère, bien-aimé, l'enfant, le Fils de Dieu, lui-même Dieu sur la terre, il était là, bien-aimé, à chaque fois qu'il accomplissait des miracles, il partait prier. La prière est en train de se ressourcer. Bien-aimé, on parle de la puissance de la prière. C'est grâce à la prière, bien-aimé, que la parole de Dieu est en train de dire dans les livres d'Actes des apôtres qu'ils étaient tous dans la chambre haute en train de faire quoi? En train de prier. Et soudainement, oui, un vent impétueux a soufflé. Oui, le Saint-Esprit a fait son entrée. Je prie dans ta vie maintenant. Augmente ta vie de prière. Je prie maintenant que Dieu te saisisse à une personne qui avait perdu maintenant le sens de prier, le courage de prier. Que tu reprennes ta vie de prière. Que tu reprennes ta vie de prière au nom puissant et glorieux de Jésus. Si tu ne sais pas quoi parler, si tu ne sais pas quoi dire, j'aime ce que la servante de Dieu a dit. Elle a parlé. Elle a crié, personne ne pouvait l'écouter dans ses songes. Mais quand elle cria, elle poussa les cris sous le nom de Jésus. Il dit Jésus. Et tout le monde a écouté. Si tu ne sais pas prier, si tu n'as rien à dire, crie simplement Jésus. Jésus, Jésus, oui, il connaît, bien-aimé, c'est dont toi tu as besoin, avant que tu parles, avant que tu ouvres ta bouche. Voilà pourquoi ce soir, je vais encourager une personne en train de crier maintenant, Jésus, sauve-moi, Jésus, viens au secours, Jésus, habite en moi, et c'est tout ce que tu as besoin, parce que là où Christ habite, il y a la lumière, là où Christ habite, les ténèbres reculent. Oreke ma brosse yandaraba. Je suis en train de voir encore ces chansons de notre sœur de Namoine qui est en train de dire le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha Omega,
Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus. Aucun nom n'est égal au nom de Jésus. Il est le seul nom qui est au-dessus de tout. Et tu ne peux recevoir l'intervention de ce nom qu'à travers la prière, bien-aimé. Ne néglige pas la prière. Si tu es marié, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Si tu as des enfants, il faut à chaque fois prier pour tes enfants, bien-aimé. C'est tellement important. Qu'est-ce que toi, tu veux que tes enfants deviennent? C'est ce qu'un parent doit arriver à faire. Prier sur les enfants, déclarer sur les enfants. Tu es le prophète de ta propre vie. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, tu es en train de prier. Tu dis que ma vie, elle est bonne. Ma vie, elle sera bonne. Tu es en train de déclarer sur toi-même. Tu es en train de déclarer sur tes enfants. Tu es en train de déclarer sur tes études, sur tes avoirs, sur ton futur. Tu dis simplement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais que tous ensemble, nous entrons maintenant dans la prière. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Tu es en train de dire merci à l'Éternel pour la santé. Et prie, bien-aimé. Monte dans la prière maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons merci pour le souffle de vie. Nous disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci pour mes enfants. Merci pour mon travail. Merci pour la force, le souffle de vie. Oui, papa, si je puis avoir quelque chose à mettre sous la dent, c'est parce que toi, tu as permis. Ça, c'est une prière d'intercession. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de reconnaître le bienfait de Dieu à ton égard, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, quelqu'un est en train de prier encore. Si tu as la santé, c'est parce que Dieu a permis. Voilà pourquoi tu es en train de dire merci, Seigneur. Je te dis merci pour ma soeur, mon frère qui est connecté maintenant. Je te dis merci pour sa famille, oh Seigneur. Merci pour ses enfants. Oui, tu dis Seigneur, sans toi je ne peux rien. J'ai encore besoin de toi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Prends le contrôle de ma vie. Demande à l'Esprit de Dieu de te revivifier maintenant, de te donner encore l'envie de prier, de te ramener encore dans les eaux profondes. C'est-à-dire que dans la plus grande connaissance de Dieu, plus tu connais Dieu bien-aimé, plus tu es encore plus envie de s'approcher de lui. Oui, tu es en train de prier. Dis Seigneur, je te désire parce que ma vie sans toi, ça n'a pas de sens. Ma vie sans toi, ça n'a pas de sens. Au nom puissant et glorieux de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Au nom puissant et glorieux de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Monte encore dans la prière. Désire encore Dieu. Saint-Esprit, Seigneur, je te désire encore. Dans ma maison, je te désire. Dans ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit a besoin de toi. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Prie. Même dans le travail, tu as besoin de Dieu. Afin que tu vois éclair tes finances, que tu vois éclair. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Prie avec nous, Seigneur bien-aimé. Prie avec nous. Oui, Rekeba Broseyanda là-bas. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Que l'Esprit de Dieu te visite maintenant. Qui te ramène dans les eaux profondes. Oui, qui te revivifie encore. Qui te redonne encore cette première amour de comprendre. Rekeba Broseyanda là-bas. Maintenant, là, ne prie pas simplement. Mais désire l'onction de Dieu. C'est là où il y a la puissance. Désire l'onction de Dieu. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction. Saint-Esprit, j'ai besoin de la puissance. Que ça puisse me revêtir. Oui, la parole de Dieu a dit, quand l'Esprit de Dieu vient à toi, c'est l'Esprit de feu. L'Esprit de feu qui vient, qui te donne la puissance. Afin que tu puisses combattre tes ennemis. Afin que tu puisses détruire ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prier avec nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prendre conscience. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous désirons ta puissance. Nous désirons ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu a dit qu'il y a la puissance sous le nom de Jésus. Cette puissance, ce n'est pas que toi, tu dois garder cela. Tu dois l'utiliser, bien-aimé, parce que lui-même, il a dit,
Quand on te donne quelque chose, tu n'utilises pas ça. Il va arracher cela, donner à une autre personne. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire des talents, bien-aimés. Maintenant, là, tu vas commencer à utiliser pour ton propre bienfait. Tu vas maintenant prendre autorité contre toute personne qui parle du mal de toi, contre toute personne qui bloque ta vie, contre toute personne qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée. Au nom de Jésus, ce soir, tu vas prendre la puissance. Tu envoies le feu dévorant. Tu es en train de détruire. Tu es en train de briser tous les liens de l'ennemi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que pendant que toi tu es en train de dormir, il y a des gens qui viennent toujours chercher à te faire du mal. Pendant que toi tu es en train de marcher, il y a des personnes qui parlent du mal de toi, qui sont en train de faire des incantations, qui sont en train de la malédiction que ça t'arrive. Mais maintenant là, toi tu es en train de dire, la parole de Dieu a dit, toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Par conséquent, à partir de maintenant, je suis en train de renvoyer cela à l'expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Vora consume tout le plan de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de tous les enfants de Calvaire Centre Chrétien. Vous leur ferez la guerre, mais vous ne le vaincrez jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba brosse yandaraba. Fais de voir maintenant. Je prie pour toutes les familles, de membres qui sont connectés maintenant. Oui, en commençant par vous-même, de toute votre famille, que tout ce qui est en train de bloquer votre vie, lâche maintenant, lâche maintenant, lâche maintenant, au nom de Jésus. J'ordonne cela, parce que la parole de Dieu dit qu'au nom de Jésus, rien ne peut arriver à résister. Maintenant là, j'ordonne que ça lâche ta vie, que ça lâche ta vie. Est-ce que c'est la maladie? Commence à prier maintenant. Que ça lâche ta vie. Oui, il y a une puissance dans la prière. Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Tu es en train de libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'est-ce que de toi qui a été bloqué? Que cela puisse être libéré ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ça est en train de libérer. Ça est en train de libérer. Tes projets doivent être libérés. Tes finances doivent être libérées. Ton mariage doit être libéré. Ton travail doit être libéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, prends l'autorité, prends la puissance. Avec puissance, tu es en train de déclarer. Avec puissance, tu es en train de déclarer. Toutes ces mauvaises paroles qui ont été prononcées, ça sera nul sans effet. Oui, vous n'êtes rien devant le nom de Jésus. Je vous déclare que vous devez libérer. Ma maison, vous libérez. Mon mariage, vous libérez. Quelqu'un est en train de prier. Prie bien, bien-aimé. Prie parce que ta vie en dépend. Prie parce que ta vie en dépend. Le diable a des oreilles. La maladie a des oreilles. Il est en train de t'écouter. Il est en train de libérer maintenant. Que ceux qui ont bloqué tes documents, oui, toi qui es en train de chercher le travail, toi qui es en train de chercher le statut, la résidence, le document dans le pays là où tu es, tu es en train de prier que tout ce qui est en train de bloquer tes documents puisse libérer maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Ça libère ta résidence. Oui, ton green card, tu es en train de le recevoir. Ton work permit, tu es en train de le recevoir. La terre tout entière, c'est ton père qui l'a créé. Tu as le droit de partir là où tu veux. Maintenant, je suis en train d'ordonner que ça puisse te libérer. Maintenant, je suis en train d'ordonner dans ton travail que tu arrives à recevoir une promotion qui te convient. La personne qui était en train d'occuper ta place illégalement doit le libérer au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci papa, merci pour nos finances, merci pour nos santé, merci pour avoir libéré quelqu'un. Merci parce que je sais qu'il y a des chaînes qui ont été brisées ce soir. Alors nous prions simplement papa que tu nous ramènes encore plus proche de toi. Parce que c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons. Le sang de l'agneau immolé que ça vous protège, le sang de l'agneau immolé que ça vous garde dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vais laisser maman conduire ces instants et puis il va continuer la prière de ce soir. Alléluia. J'aimerais demander à une personne de prier, de dire à l'Éternel, de lui donner la force de demeurer dans la prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse, pour prier sans cesse, tu dois avoir la force, tu dois avoir la détermination. Parce que si tu n'as pas la détermination, oh bien-aimé, le diable va juste t'enfoncer dans la paresse. Tu dois maintenant prendre la décision, mais tu ne seras pas seul. Voilà pourquoi je vais encourager une personne de dire à l'Éternel, Seigneur, aide-moi parce que seul, je ne saurais pas. Aide-moi à demeurer dans la prière, à demeurer dans la prière, à faire de la prière ma vie de chaque jour. Donc, je ne peux pas dormir sans prier. Je ne peux pas manger sans prier. Tout ça,
Ce n'est que ce que l'Éternel peut faire de toi. Toi-même, tu ne sauras pas. Alors commence à prier. Dis à l'Éternel, je veux que tu me donnes la force de demeurer dans la prière. De demeurer dans la prière. Que la prière devienne mon mode de vie. Que ce soit un trophée pour moi. Mais que ça devienne le mode de vie de chaque jour. Que cela soit chaque ramène la lourdeur, qui te ramène la fatigue, qui te ramène le sommeil. Tu es dans les prières, tu commences à bailler. Mais pour causer, tu ne bailles pas. Pour prier, tu commences à t'assomnoler. Mais pour causer, tu ne somnoles pas. Lève-toi maintenant. Dis, je ne veux plus de cela dans ma vie. Je ne veux plus de cela. Refroidir dans la prière, que tout cela soit nettoyé et sort de nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un ce soir. Tendre Père, nous t'avons cherché. La Bible dit que quand on cherche, on trouve. Seigneur, c'est toi qu'on est venu chercher à cet instant et on t'a trouvé. Toi, les dieux qui demeurent dans la prière, tu demeures dans la louange et dans l'adoration. Tu demeures dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, tu nous as dit que la prière a une puissance. Et la puissance de la prière, c'est ce que nous avons désiré. Seigneur, laisse que tu touches la vie de quelqu'un ce soir. Que tu changes la vie de quelqu'un ce soir. Que celui qui était hier ne soit plus celui qui sera demain. Au nom puissant de Jésus, que la vie de prière maintenant s'installe dans la vie de quelqu'un. Qu'une personne maintenant devienne un enfant de Dieu qui demeure dans la prière afin qu'il soit vraiment une bombe pour l'ennemi. Que tous ceux-là qui chercheront à s'approcher pour venir encore ramener des lourdeurs et des fatigues et des sommeils soient nuls et sans effet au nom de Jésus, qu'ils soient loin de nous au nom de Jésus. Je vais mettre maintenant les cercles tout autour de nous du sang de Jésus-Christ, que ça puisse dresser des mirailles de protection sur nos vies. Je sais que nous avons reçu ce soir nos bénédictions de ce soir. Je parcours ça là par le sang de Jésus. Oh Père, laisse que toi tu puisses te manifester pendant que nous allons encore rester avant de dormir. Continue à demeurer dans nos vies. Parle-nous encore, Seigneur. Révèle-nous encore des choses. Oh, oriente-nous. Montre-nous comment nous devons encore prier. Comment nous devons chercher ta face en vérité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Là où tu es, tu peux acclamer pour Dieu. Tu peux acclamer pour Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous te disons merci, Papa. Merci pour tout, Seigneur. Continue à être avec nous. Laisse que tu puisses exaucer notre prière. Voilà. En tout cas, bien-aimés, vous qui êtes connectés, vous qui avez partagé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que beaucoup de personnes ne s'attendaient plus qu'on devait avoir une prière ce soir ou aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça, la persévérance dans la prière. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, comme nous avons dit, nous allons reprendre sur l'amour inconditionnel. Alors, tous les enfants de Calvaire Centre Chrétien sur place, n'oubliez pas, nous avons l'intercession le vendredi. Et je crois que nous allons reprendre les services en ligne pour maintenant, vu la situation, comment c'est en train de passer.
Alors, nous aurons plus de communiquer les samedis à l'église. Alors, pour toute la communauté, nos familles, de partout où vous êtes, aux Anna Magazine et autres, voilà, nous allons nous retrouver les samedis live à partir de notre chaîne YouTube C3FR TV, Calvaire Centre Chrétien, en fait, sur Facebook. Vous pouvez suivre le culte qui sera là live. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Maman Sylvie, merci, Maman Florentine, Obel, Maman Tonika, bienvenue, que Dieu vous bénisse, Margot, ma soeur, que Dieu vous bénisse, et vous tous qui viendront suivre ce live, n'hésitez pas à partager. Amen, que le Seigneur bénisse Maman Hortensia, Zaou, que le Seigneur vous bénisse, Maman Sylvie Kit, que le Seigneur vous bénisse, Maman Gisèle Sewakibanza, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc passez vraiment un bon week-end, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent et on va se retrouver la semaine prochaine. En tout cas, ciao, ciao. Amen. Papa, papa, mon limon. Coluca yo e nana corti cateo cotambo leneo Aba papa montema et tandis sami naposa.